Bonjour ici, salut Lava. Et bienvenue sur Franceau et la chaîne parlementaire dans votre émission citoyenne. Ça s'appelle Flash Talk et c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants. Aujourd'hui la ville c'est Paris et nous sommes sous le soleil de la place de la République pour parler des femmes. Et oui, plusieurs mois après le déferlement de MeToo et de Balance ton port, on a eu envie de faire un petit peu le bilan de ce mouvement inédit de libération de la parole des femmes. Qu'est-ce que ça a changé? Vous allez nous le dire puisque vous le savez, Flash Talk, c'est votre émission, c'est vous qui prenez la parole, c'est vous qui faites le débat. Et vous faites le débat évidemment autour de ce tapis, mais aussi derrière vos écrans sur Twitter avec le hashtag Flash Talk. D'ailleurs, ici, sortez vos portables pour filmer l'émission. Vous pouvez la snapper, l'instastoriser. D'ailleurs, qui a envie de filmer cette émission? Allez, ici de ce côté, qui? Et puis toi aussi. Vous savez comment ça marche avant? Première émission filmée intégralement au smartphone. Je vous propose d'abord, avant de commencer, de se remettre un petit peu les idées au clair. Le rappel des faits, c'est avec Estelle Janjo, le Data Flash. Le 5 octobre 2017, le puissant producteur de cinéma américain Harvey Weinstein est tombé bruyamment de son trône. Le New York Times et le New Yorker ont révélé en une de leurs magazines que plusieurs femmes accusaient le magnat d'Hollywood de harcèlement et d'agression sexuelle. Des révélations qui bouleversent le monde du cinéma et font naître le mouvement mondial de libération de la parole des femmes. Le 13 octobre, la journaliste française Sandra Müller lance l'offensive avec le hashtag « Balance ton port ». Le but? Inciter les femmes à dénoncer les hommes dont elles auraient été victimes. Deux jours plus tard, l'actrice américaine Alyssa Milano invite toutes les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner via le hashtag MeToo, moi aussi en français. Une traînée de poudre qui s'est répandue dans près de 85 pays grâce aux réseaux sociaux. Résultat, depuis octobre 2017, 2,5 millions de tweets dénonçant les violences faites aux femmes ont été répertoriés. Un véritable raz-de-marée féministe. Alors Balance ton port marque-t-il la libération et la prise en compte de la parole des femmes ? Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette libération de la parole s'est accompagnée d'une hausse des plaintes, hein, plus 25 à 30% en moyenne depuis le mois de septembre, des plaintes pour agression et harcèlement sexuel, et c'est valable aussi bien à Paris qu'à la campagne et en banlieue, Raph. Est-ce que ces hashtags ont changé la donne? Hashtag balance ton port, hashtag MeToo, hashtag Flash Talk, dites-le nous évidemment sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton prénom? Sabrina. Où est-ce que tu vis, Sabrina? J'habite dans le 95. Tu connaissais ces hashtags? T'en as entendu parler? Oui, bien sûr. Est-ce que toi-même, tu les as utilisés ou tu as envie de les utiliser? Tu as eu envie de les utiliser? J'ai pas forcément été victime. Après, c'est vrai que dans mon entourage, effectivement, je pense comme tout le monde, on a eu quelqu'un qui s'est senti concerné. Donc oui, j'ai bien sûr la possibilité de les utiliser, bien sûr. Je suis avec des jeunes garçons, Raph, qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, racontez-nous. Comment vous vous appelez pour commencer? Alors déjà, je m'appelle Nassim et je suis étudiant en journalisme, j'habite à Paris. Et donc pour parler du mouvement Balance ton port, je pense d'une part qu'il n'a pas apporté énormément de choses et qu'il n'y aurait pas des changements fondamentaux pour ce qui concerne la lutte des femmes. Et par ailleurs, et au-delà de ça, je pense que en réalité, le mouvement repose essentiellement sur ce que les réseaux sociaux font de plus mal, c'est-à-dire les dérives des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'accusation, les dénonciations. Et même s'il était question d'un mouvement mondial, je pense que ça concerne surtout des stars, comme on a entendu parler, des stars de cinéma, et que les répercussions ne sont pas celles qu'on décrit, ou du moins, je ne suis pas sûr qu'on doit s'en réjouir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Moi, pareil, je ne crois pas que ces réseaux sociaux puissent apporter quoi que ce soit à la cause des femmes. En attendant, bon, bah, ça ne change pas grand-chose au quotidien des femmes. Il y a toujours des agressions, il y a toujours des violences. Ça n'a pas contribué pour vous à une prise de conscience quand même, générale, de ces violences et de ces agressions, et de ce que peuvent subir les femmes au quotidien? Non. Non, je pense que c'est de l'aveuglement de devoir utiliser Facebook pour constater quelque chose d'aussi évident. Parce que tout le monde sait que prendre le métro tout seul à certaines heures, en certains quartiers, c'est dangereux. Tout le monde sait qu'il ne faut pas traîner la nuit dehors, et ça depuis quand même pas mal de temps. Bien avant Facebook, bien avant les Weinstein et autres. C'est tout.
On va voir si tout le monde est d'accord avec vous aujourd'hui. Oui. Il me semble que les femmes du quotidien ne peuvent pas dénoncer leur patron de la même manière qu'une star confirmée est capable à la parole de le faire. Je vous confirme que plus de 90% des femmes qui dénoncent leur patron ou leur employeur perdent leur emploi. Voilà. D'ailleurs, sur le hashtag FlashTalk, j'ai Ludivine qui lui dit « Ça me gêne terriblement d'entendre libération de la parole des femmes en parlant des agressions sexuelles, hashtag balance ton porc. Ça fait des années qu'on en parle, mais personne n'écoutait vraiment. » Je me tiens justement aux côtés d'une personne qui a utilisé ce hashtag balance ton porc, c'est Julia Castagnier. Vous êtes directrice de la communication du Parti communiste français. Vous avez dénoncé dans un tweet datant du 15 octobre 2017 un homme politique français dont on n'a pas envie de parler, de déclarer le nom ici, et vous avez choisi de ne pas porter plainte. Oui, j'ai choisi de ne pas porter plainte, mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même répondre aux deux jeunes hommes qui viennent de parler. Quand on a 2,5 millions de tweets avec le hashtag ou MeToo ou balance ton porc, ce n'est pas 2,5 millions d'actrices d'Hollywood. C'est pas vrai, c'est un grand mouvement mondial de prise de conscience et d'expression des femmes. Donc ça, c'est important à comprendre. Moi, j'ai décidé de pas porter plainte parce que je juge personnellement que ça ne m'apporterait rien. Pardon, Julia, quelles ont été les conséquences de votre propre tweet ? Les conséquences, pour moi, elles n'ont pas été énormes. Elles ont été positives dans le sens où j'ai pris conscience de la puissance que nous avions, nous, les femmes, si nous décidions d'agir en commun pour dénoncer quelque chose qui est un scandale, un fléau, le machisme, le sexisme. Après, il y a eu de la violence, de la réaction de la part des gens qui n'adhéraient pas à ça et des gens qui étaient aussi des acteurs et d'actes machistes. Voilà, donc il y a du positif et du négatif. Des mois après ce hashtag, l'apparition de ces hashtags, vous qui êtes dans le milieu de la politique, vous avez l'impression que ça a bougé un peu ? Oui et non. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des prises de conscience, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une chasse à l'homme. Ce n'est pas une chasse à l'homme individuelle. On s'en fiche de l'homme politique, on s'en fiche du patron en tant que tel. Ce qui est important, c'est de penser qu'on a un système qui permet à ces hommes de se sentir... avec une impunité, on est vraiment loin du compte. Surtout quand ce sont des politiques qui sont censés aussi, nous, citoyens, nous donner l'exemple, hein, Sonia. Je me trouve aux côtés de Raphaël Liogier. Bonjour, vous êtes sociologue et philosophe, auteur, entre autres, de « Descente au cœur du mal », M.E. à accent circonflexe LE, c'est paru en mars dernier. Un dernier ouvrage dans lequel vous interrogez la virilité, justement, aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui a changé avec ce mouvement « Balance ton porc » ? Moi, je pense que c'est un mouvement extrêmement important et qu'on mesure mal la nature de ce mouvement si on parle de dénonciation. Et si on parle de stars, etc. D'abord, toutes les révolutions commencent toujours par ceux qui ont les moyens de s'exprimer, donc ceux qui sont dominants parmi les dominés. Donc c'est normal que ça commence par des stars qui sont dominantes parmi les dominés, que sont les femmes. Les deux jeunes hommes qui sont intervenus nous ont dit, en gros, on savait déjà qu'il ne faut pas circuler à telle heure, etc., etc., dans tels endroits et tout. Mais justement, ce que nous dit MeToo, c'est les femmes comme les hommes ont le droit de circuler à toutes les heures, n'importe où et n'importe quand. Et c'est une inégalité que les femmes l'aient intériorisée. Elles l'ont tellement intériorisée qu'elles savent qu'il vaut mieux changer de trottoir, il vaut mieux pas faire ceci ou pas faire cela. Ça, c'est un vrai progrès de civilisation. Mais on est encore loin. Une vraie révolution qui est mal mesurée dans sa puissance. De ce côté-là, Sonia aussi, ça discute pas mal. Je vois que entre Nadia et Madame aussi, c'est quoi ton prénom ? Louise. Louise, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire là ? Que ça n'avance pas si bien et que les femmes sont un peu délaissées. Quoi. Ouais. Ça, toi, tu l'éprouves toujours. Voilà. Ouais. T'as l'impression que ça n'a pas bougé, quoi ? Non, pas vraiment. Nadia, alors posons la question à Nadia Remadna, juste à côté de moi. Vous êtes la présidente de la Brigade des Mères, association implantée en banlieue qui lutte contre la violence faite aux femmes. Est-ce que vous avez eu l'impression que le mouvement Balance ton porc a eu aussi des répercussions dans nos quartiers populaires ? Moi, personnellement, je ne pense pas du tout. Bien au contraire, je pense que les gens ont encore, dans les banlieues, encore beaucoup plus peur parce que ce n'est pas évident d'aller dénoncer le nom de son violeur comme ça sur les réseaux sociaux. Et le problème qui se passe, alors moi je voulais répondre à monsieur le sociologue, c'est ça monsieur le sociologue ? Alors je voulais... Raphaël Liogier. Excusez-moi, je vous invite à aller voir les commissariats du 93. Déjà on ne prend pas les plaintes, on prend des mains courantes. On demande à la victime de ramener des preuves. Et alors ça veut dire que les tribunaux ne font plus leur travail et c'est les réseaux sociaux qui font aujourd'hui le travail des tribunaux. Et c'est ça qui est dégueulasse pour moi.
En réaction à Balance ton port, vous vous en souvenez sans doute, une centaine de femmes avaient publié une tribune dans le journal Le Monde pour défendre ce qu'elles avaient appelé la liberté d'importuner, une tribune qui avait fait couler beaucoup d'encre. Peggy Sastre, vous en êtes la co-rédactrice. Vous craignez à l'époque, on en a parlé au début de cette émission, un mouvement général de délation, notamment. Hein. Finalement, ce n'est pas vraiment ce qui s'est produit. L'axe central de la tribune, c'était « Des femmes libèrent une autre parole ». Donc c'était pour montrer qu'il y avait beaucoup de femmes qui ne se reconnaissaient pas dans ce mouvement MeToo et surtout « Balance ton port ». Et vous ne vous reconnaissez toujours pas aujourd'hui ? Toujours pas, en fait. Et en fait, pour reprendre les exemples qu'a pris Raphaël Liogier, je voudrais citer Samantha Geimer, qui a été violée par Polanski quand elle avait 13 ans et qui est signataire de la tribune, et qui a dit une phrase que je trouve très, très nette et très claire. Et elle dit « Si vous avez à vous creuser la tête pour savoir si vous avez été victime d'une agression sexuelle, c'est que ce n'est pas le cas. » Quand j'entends donc l'instigatrice de « Balance ton port » en Sandra Müller, qui comme je veux dire, le cas qu'elle raconte, c'est elle est dans une soirée avec un homme qui n'est pas son supérieur hiérarchique et qui lui dit simplement « Tu as de gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. » Et elle dit qu'elle s'est effondrée dans une faille passion temporelle, etc. Et il y a eu d'autres exemples comme ça, des journalistes qui ont expliqué que une fois, on les avait draguées comme ça un peu lourdement et qu'elles se sont senties complètement aspirées comme ça. Et puis désolée, c'est un mauvais message à passer aux femmes et aux filles, en fait. De dire que vous pouvez être comme ça détruite par l'expression d'un désir qui peut être mal poli, qui peut être rustre, tout ce qu'on veut. Mais quand il s'agit d'un supérieur hiérarchique ? Oui, mais là, ce n'était pas le cas, en fait. Il y a eu quand même beaucoup d'exemples qui ont été donnés dans ce sens, de femmes qui ont dénoncé des avances d'un supérieur hiérarchique. Comment on fait pour les repousser dans ce cas-là ? Oui, mais bien sûr, mais ça, comment dire, c'est ça des cas qui sont déjà pris en compte par le droit, etc. Et ce qui nous a dérangé dans le MeToo, c'était justement, on sort de l'état de droit pour revenir à des logiques moyenâgeuses d'opprobre, d'ostracisation, etc., par la réputation, et détruire des gens et des hommes en particulier sur seulement des accusations. Ça, c'est pas souhaitable dans des démocraties modernes. Pardon, fait. Sonia, Peggy, je me tiens aux côtés de Julia qui balance pas son port, mais qui bouillonne en tout cas. Ce genre d'intervention, ça met en accusation les femmes qui ont parlé. C'est une forme de violence pour les femmes qui ont essayé, comme moi, de dire quelque chose. On parle pas de la même chose. Tu parles de sexe, moi je te parle d'agression. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Et en tant que femme, toi et toi aussi, on a le sexe entre personnes adultes consentantes, c'est une chose. La violence sexiste et machiste, c'est autre chose. Et toi, c'est là où tu fais un pas de côté qui est pas bon et qui fait que ton raisonnement ne peut pas être entendu. Merci. En tout cas, c'est terrible parce que l'émission touche déjà à sa fin. La bonne nouvelle, c'est que le débat, lui, va continuer sur les réseaux sociaux. On va en débattre toute la semaine des rapports hommes-femmes. Allez, à l'heure de MeToo et de Balance ton port sous le soleil de la place de la République. On se retrouve demain, toujours sur France O. Salut.